Voilà, pour notre ami Guillaume, ici, on va faire une petite capsule pour le Greta Van Fleet, le When the Curtain Falls, pour le couplet. Hein. Donc, il va ressembler à ça. Je vais montrer un peu de détails après. 1, 2, 3, 4... C'est un sol majeur, barré troisième case sur la forme du mi, mais qu'on prend sur quatre cordes. Donc on abandonne le barré, on fait un pincé sur la deuxième corde, en troisième case, on revient avec le pouce au-dessus pour bloquer la corde, et on fait une appoggiature de une case. Donc en fait la main shift d'une case vers la gauche, on pique, et on glisse. Et on va faire la même chose en Do, donc c'est-à-dire on pique en 7e case et on glisse vers la 8e case. Je fais tourner une batterie et on retourne un peu dessus, puis je vois une corde moins. Je vais l'envoyer là. 1, 2, 3, 4. Important d'avoir un balancement double croche dans la main et d'attaquer chaque fois vers le bas. Maintenant, je vais expliquer ce qui se passe ici en Do. On va devoir jouer 7e et 11e. Alors, pour arriver à réussir ça, l'index doit barrer 3 cordes. Corde ré, sol, si. Puis seulement on met ces 3 pincées. Alors, oh putain les mouches, quand je relâche mon petit doigt, j'ai sur la corde ré, j'ai une 7e. Quand je pince avec mon petit doigt, avec le 4e doigt, la 3e corde, j'ai une quarte. Voilà, il faudrait voyager sur ces 3 cordes là. Donc ça c'est l'accord normal. Je soulève le petit doigt et je suis parti. Quarte. 11. 7e, pardon. Donc, normal. 7e. Quarte. 7e. On tourne un peu là-dessus. Et 1, 2, 3, 4. Mais il faut jouer tout le temps parce qu'il a contre-temps. Je pense que ça va aller, ça. Moi-même, il faut que je le bosse, quoi. Ouais.